Je suis Eve Willems et je joue guitare, accordéon et mandoline sur Corteo. Je viens de Liège, en Belgique, et j'ai commencé la musique par la guitare classique. Donc j'ai appris en académie à lire la musique, tout ce qui est théorie, etc. Et puis plus tard, j'ai commencé l'accordéon. Petit à petit, je me suis rendu compte que c'est vraiment ce que je voulais faire, et donc j'ai été au conservatoire en guitare classique. J'ai décidé de postuler pour le cirque suite à une annonce qu'il y a eu sur Facebook. C'est deux amis qui me l'ont envoyé. Je pense que c'est pas super courant d'être guitariste accordéoniste, donc j'étais enchantée de pouvoir trouver quelque chose qui me corresponde à ce point-là. Et donc j'ai dû faire des vidéos, montrer un petit peu ce que je pouvais faire sur les musiques de Corteo. Donc j'ai pu découvrir un petit peu l'univers musical. J'ai reçu un coup de téléphone 4 mois après, je pense, pour me dire que c'était bon, que j'avais été choisie. Voilà. J'avais un peu du mal à me rendre compte de la réalité. Le fait de jouer de plusieurs instruments dans le spectacle, ça demande quand même un peu de recherche. C'est un petit défi de devoir choisir pour chaque morceau lequel on va jouer, lequel correspond le mieux au style, à quel moment on va changer, qu'est-ce qui est intéressant de jouer en solo ou pas. Concernant la préparation, avant de venir ici, on a juste reçu les audios. Donc c'était un extrait live d'un spectacle que Wadra, le band leader, nous a envoyé. Il nous a demandé de ne pas trop travailler dessus parce que les structures allaient changer vu qu'on retravaille tout le spectacle. En fait, chaque numéro est condensé ou bien un peu allongé. Donc ce qui était super intéressant dans ces audios, c'était de pouvoir entendre les indications qu'il donnait en live, donc quand démarrer, quand il fallait faire des boucles, rajouter des choses, improviser, etc. La prochaine étape, ce sera d'aller s'installer vraiment sur scène et de jouer en live avec les acrobates. Donc je me réjouis de commencer vraiment à travailler sur la scène. To the head. Okay, stand by. And 1, 2, 3, 4. D minor, 1, 2, 3. My name is Roger Hewitt. I'm the band leader and musical director for the show Corteo. I grew up in the city of Norwich in eastern England. I've been playing the piano since the age of 6 years old and took up keyboards later on in my late teens. And I've since then been involved in a lot of film music, a lot of arranging and writing, orchestrating for film. My main responsibilities as band leader is being involved in the arranging of the music, but on a continual sort of day-to-day basis that it revolves around adapting the music to fit whatever action is taking place on stage. So the whole production goes pretty seamlessly. Anything can happen on stage, and so the music is designed to sort of fit around those sort of circumstances. It makes every show a very interesting experience because we have no two shows that are the same. So there's a lot of new band members involved, so there's a lot of music to learn for those particular ones. The rehearsal process, with that in mind, does mean a lot of teaching of the music. We do tend to collaborate. We're changing the music quite a bit from its original format, adapting it to the new band that we have. Everybody has input, which is really cool. I don't try to just take over everything. I listen, and then between us, we sort of work out what is going to be successful and what really helps, which is really it's cool. It's a nice collaborative process. When it comes to the actual show day-to-day operations, once again, anything can happen. We have a meeting like an hour and a half before the show actually starts. So like, okay, these are the changes that are happening today. We've got a singer out, we've got an act out, we're using a backup act, or there'll be changes made prior to the show, or even during the show sometimes. Something would happen, somebody would be taken ill, or there would be an injury. So it's like, okay, this is what we had to do. Since the first creation of Corteo back in 2005, I've actually come a long way. I've sort of learned a lot as to not only look at the quality of the musicians, which are always outstanding, what comes out of the casting department here, but the attitude is extremely important. And over those years, I've developed knowing to look a little bit further than just the demo recordings and find out that
We have a really, really nice bunch of people with us as well, because we're constantly living together, and that's become an important factor of the music. Especially when you're traveling in foreign countries, we stick very much together as a family. So right now, what I've seen so far of the new musicians that we have on board now, we have a very, very nice family team, and I hope it stays that way. Je m'appelle Stéphane Allard, je suis violoniste sur Corteo. J'ai commencé le violon à l'âge de 7 ans, violon classique. Je fais des études au Conservatoire de musique de Québec. Je suis allé étudier à l'école Berklee College of Music, où j'ai passé 5 années. J'ai eu un diplôme en performance. Alors le cirque, c'est quelque chose qu'on entendait parler depuis longtemps. Donc c'est quelque chose qui était très attirant. Mais par contre, j'étais pas prêt à ce moment-là à partir en tournée pour toujours, parce que je travaillais beaucoup. J'avais une petite amie qui n'était pas du tout prête à partir en tournée. Dans les années 2009, on m'a appelé pour faire un remplacement sur Corteo au Japon. Et ça tombait pile sur plusieurs choses, dans ma vie personnelle, ma vie artistique. C'était vraiment un bon moment pour moi. À ce moment-là, j'ai dit oui, je suis parti. C'était un remplacement de 6 mois, échelonné sur 2 ans. Ensuite, je suis revenu à Montréal pour 1 an et on m'a rappelé. Je suis retourné ensuite avec ma petite famille. Je suis parti pour 6-7 ans, jusqu'à temps que le spectacle se termine. Je suis revenu à Montréal, refaire ce que j'ai toujours fait, de la pige, j'ai fait de l'orchestre. Corteo n'était pas supposé repartir en tournée, c'était supposément fermé pour toujours. Et j'ai eu l'appel justement du casting, mais du moment où Corteo finalement il va avoir une version Arena, ça t'intéresserait-tu? Alors j'ai dit oui, ça m'intéresse. Et je suis là aujourd'hui, ce matin, voilà. Au cirque, pour moi, je me mets comme but ultime d'essayer de toujours changer quelque chose à chaque spectacle. J'essaie de ne pas faire les choses de la même façon. À part les endroits, il faut absolument toujours jouer la même chose. Mon défi, c'est de jouer quelque chose de différent tout le temps. Forza l'ora.